Salut tout le monde, bienvenue à ce match du Clash of Tide de la semaine 6, match numéro 2, opposant le type O de Voshurikens contre le type Grass de Marc qui a pris le relais de l'île G au courant de la saison. Et Marc a décidé de respecter la thématique du vendredi pompette en prenant un shot pour décoller le match. Donc on se transporte du côté de... Il vient où lui? Je vais continuer mon vibe de la poule aux œufs d'or là. Il vient de où lui? T'as pu voir? Je me rappelle plus d'où ce qu'il vient. J'ai pas checké son profil. Ok. Mon ordi coopère pas bien bien. Ok. On se dirige à... Dans 3 secondes. Oh Chris! J'ai un autre shot en simultané qui arrive. Ça, c'est une soirée qui promet là. À propos. Marc, sorry. Ta page Facebook est exposée sur mon channel. Ok. On se dirige à Blainville. Les amis, pour un shooter en direct, allez-vous prendre le shooter ou... Oh, Chris, il fait-tu un grand écart ou bien? Calice! C'est quoi, c'est du saké, Marc, ou bien? What? J'adore. J'ai quasiment le goût de donner la win juste là. Tabarnak! Chris, tu me donnes mal à l'aine, mon chum, bien quand on regarde de faire. Ah, c'est que c'est drôle. Ah, il porte bien son nom de yin-yang. Il est vraiment... Il est écarté, il boit de la boisson japonaise. Oh my god, c'est génial. Ah, si j'aime le channel. J'aime les vendredis pour pète. Ok. On continue sur le profil à Marc. On se dirige du côté de Montréal maintenant. On a un autre shot. Les Raccoon Hockey. Ah, il est beau le polar, by the way. Je t'ai-tu montré mes polars de deck, Lucky? J'en ai crissement avec les Cooper Rose pis tout, là. Tabarnak! Un gros chug! Hey, je me sens d'attaque, hostie. Je me sens d'attaque, je suis rendu à genre 10 shooters, fait que j'en prendrai pas plus, là. Sacrement! Ça brasse. Ok, retour au... retour au... aux choses sérieuses. Ok, on a un match-up vraiment bad, n'est-ce pas? Je suis le type O, il y a le type Grass. Je sens vraiment que ça va être une partie d'échec et j'explique pourquoi. On a vraiment des checks aux deux. Les deux, on a des checks à chacun. Exemple, il y a Cradily Storm Drain, j'ai Azumarill Sapsipper. J'ai l'impression que la première personne qui va faire une erreur ou qui va sac le mauvais Pokémon va gagner le match. Ça fait que c'est un match qui va être important de bien jouer défensivement, ça c'est certain. On s'entend que pour moi, la tâche est extrêmement complexe. J'ai néanmoins des réponses. C'est ça qui va être intéressant. J'ai quand même des chances de win, dans le sens que j'ai quand même du coverage pour attaquer. J'ai quand même du coverage pour attaquer le grass type, on s'entend, j'ai du flying, du poison, etc. Mais ça va être intéressant, j'ai hâte de voir. Comme je dis, c'est vraiment, je pense, la première personne qui va sac le mauvais Pokémon qui va win le combat. Bref. On va se lancer. J'utilise une stratégie qui est vraiment do or die. Ça risque vraiment de... Soit que ça casse, soit que ça passe. Je les avais mis là, n'est-ce pas? Fait qu'on amène Swampert, on amène Slowking. Mes nicknames n'ont pas marché. C'est-tu le bon... C'est-tu dans le bon set, est-ce que... C'est-tu le bon set? Non, je suis pas dans... Je suis pas de pas prendre la bonne équipe. Hey, je suis bien sous. Hey, où mon équipe, est-ce que... C'est celle-là, mon équipe. Chris, man, j'ai passé proche de pas prendre la bonne équipe. J'étais pas dans la bonne box. Fou, man, ça a passé proche. Le gars, il est pas à jeun. Ok, good. Oh, c'est pas ça que je veux faire. Voyons, Chris. Ok. Ça a passé proche. On run du stuff que j'ai pas runné cette saison. J'ai pas le choix de... J'ai juste l'expression en anglais, mais think out of the box. J'ai pas le choix de penser vraiment... Différemment, pour ce match-là, évidemment. On verra bien. Sendrakovic GIF. Ah ouais, Jordan Drakovic qui est plus spécial cette fois-là. Donc. Yo, Chase, sérieux, j'étais parti me chercher une bière. Queue de castortin. Hey, ça, je suis jaloux, man. Ça aurait été bon. Carbone. Ouais, je suis comme dans un vibe pour l'autre. Ok, tout ce qui a amené, je m'attendais vraiment à ça, dans le sens que
Je m'attendais peut-être à Cruddy Lee. Il l'a pas amené parce qu'il s'est sûrement dit il est pas assez cave pour utiliser du water type contre un grass type. Bon read de sa part. Je me rappelle pas c'est quoi qu'il y avait le type grass. Le type. Mais il me semble que j'avais. C'est vraiment ça que je me suis préparé pour là. Et c'était vraiment son équipe optimale. Il y a une bonne préparation de sa part. Mais c'est vraiment un bon joueur, by the way. Je l'ai affronté deux trois fois, puis vraiment solide. Je devrais avoir un match difficile. Je m'attendais pas à Whimsicott, par exemple. Je m'attendais à genre Rose Raid. Si je mets des Toxic Spikes, je m'attendais définitivement à pas à des CDY. Je m'attendais à Venusaur. Parce que là, l'affaire, c'est que. Il n'y a pas Cradilly. C'est ça qui est comme. Bad. Parce que là, mon set de Dalkovich est vraiment chien. Ok, je vais aller. Slow King, grosse Wincon à soir. Toxapex, c'est vraiment important. J'aime pas trop ce que je vois, par exemple. Ma prep a l'air à faire mal. Dans le sens. Je pensais qu'il allait opter pour du Sun avec Venusaur. C'est pour ça que j'ai amené Weather Ball sur Blastoise uniquement pour ça. Je me suis dit, si il amène Blastoise, puis. Si il amène Venusaur. J'ai Weatherball, au moins j'ai un move Fire pour le tuer. Je vais utiliser son Sun contre lui. Il l'a pas amené. John Deere, ça c'est. Rotom Mao. Ok, Rotom Mao c'est quand même bad là. God. Ok, le play suivant est extrêmement greedy. Ouais, run. J'abandonne tout de suite. Il a envoyé sa tondeuse. Je vais aller dans un sub. Je suis vraiment greedy, je suis chaud. Volt Switch, ok. Je suis greedy, je suis chaud. Je suis greedy. On y va. Tax tes box proprement. Moi, j'ai un box spécialement pour le cut. Ouais, Seb, moi, dans le fond, vu que ma Switch est attaquée, je peux... Dans le fond, j'ai un logiciel, puis je peux tout changer mes box comme je veux. Je pourrais supprimer une box au complet dans une de 30 secondes. Fait que je vais juste supprimer l'équipe de la semaine d'avant. Même Rotom Fan. Tous les Rotom doivent être considérés comme des menaces majeures. Effectivement, c'est des bons Rotom. C'est des bons Pokémon. Ok, là j'ai Low Kick. Ça c'est intéressant. J'ai amené Low Kick spécialement pour Ferroturn. C'est un 2-8 KO normalement. Il s'attendait définitivement pas à ça, je pense. Mais ouais. La fois je pensais. Mon plan. Oh, ok, c'est pas un. Oh, j'ai perdu un roll ici. J'étais pas censé. Oh my god. Ah. Calice, man, j'ai donc bien pris du recoil. Power Whip, ok. C'est pas une potion que je déteste, pour vrai. C'est pas une potion que je déteste. Et Tewash ont les pires, selon moi. Très peu de weakness. Rotom-moi, c'est lui qui a moins de weakness. Il y a juste une weakness au grass. Ok, on va y aller avec notre copain Slow King. Gros Swing Gun. Il y a beaucoup de coverage. J'en ai hors de besoin, assurément, hein. Mais tu sais, en même temps, j'ai comme pas d'attente. Ouais, puis j'avais un Life Orb en plus. J'ai eu 3 recoil, ça rend fait mal. Santa Banana. C'est Ludicolo. Ok. Oh, le Burn. Le Burn. Il y a une Lumberry. Il y a des Leftovers. Ok. Le Burn en soi fait rien parce que c'est dans le Pokémon qui est spécial, mais. Comme là, le recall va le faire baisser à moitié. Mon play va être assez évident ici. On va y avec ça. Tout d'abord, c'est juste du positionnement. La personne qui va mieux se positionner va win. Mais même si je perds, je serais pas déçu dans le sens que j'affronte un type que je suis vraiment oui. Giga Drain. Ok. Notre Sapsipper augmente. Il y a des leftovers. Gros read de notre part. Holy Mother of Recall. Ouais, c'était quasiment la moitié de mon HP. Je suis max HP, max def. On va y aller d'un max. On va y aller d'amnésia pour augmenter ma spéciale défense. Azumarill va être extrêmement dur à tuer là. Skull va rien faire. Oh, il me burn. Ok, c'est correct. C'est un payback. Moi, ça me fait plus mal que lui, par exemple. Honnêtement, ça me fait plus mal dans le sens que moi, j'ai un Pokémon physique. Là. Mais pour de vrai, hey, je vais être difficile à tuer là en ce moment. Ça fait chier en sens que. Ah, oh, j'ai une Wakanberry, j'étais censé avoir des leftovers.
Je vais être dans Amnesia. Je vais restaurer mon burn sur un rest éventuel. Mais là, l'important, c'est d'être à plus 4 de SPDF. Mais t'es-tu courant que ma toune, ça va être la première fois que quelqu'un l'entend? Oh, malade, man! Elle est où dans le... Je vais checker dans la liste, elle est où? Elle est quand même loin, je vais la monter, sérieusement. Cough Syrup, You the Giant. Je vais la monter, chez... Elle est là, elle est 12e, elle est trop loin, à mon avis. Je l'ai monté en premier. Ça va être la prochaine. Il a amené qui? Rotom, sûrement? Ferrothorn, ok. Excellent appel de sa part, by the way. J'aurais pas le choix de switcher. Bon, jeu de sa part, j'aurais pas le choix de switcher. Parce que je tuerai jamais Ferrothorn. Hey Chris, thank you, brother. Thank you, my friend, for the follow. I really appreciate it. Welcome to the channel. It's Friday night drinking. So basically, I'm taking any challenges, and if I lose, I'm taking a shooter for you. Tonight we're drinking. I don't know if it's the same in English, but Grand Marnier and vodka as well, vodka Red Bull. Donc, retour en français. Il switch. Son Ferrothorn, c'est une grosse wincon. Yahweh, c'est une top banana. C'est correct. C'est-tu un crit? C'est pas un crit. Ok, good. Ouais, c'est pas un crit parce que tantôt, dans le fond, les gens qui savent pas comment ça marche, t'as des high roll pis t'as des low roll. Exemple, quand tu fais un calque, t'as... Quand je dis... Je vais vous expliquer. Exemple, dans ce cas-ci avec Ludicolo, j'étais censé aller chercher 55%. Entre 47 pis 56%, je crois. Quand je dis low roll, ça veut dire que j'ai eu 47%. Quand je dis high roll, j'ai eu 55%. Fait que dans ce cas-là, c'était un 2 hit KO, mais là, vu qu'il y a eu 47 au début, je pouvais pas leur tuer d'une deuxième shot, genre. Vodka Red Bull is me. I don't understand you, bro. How are you typing tonight? Are you drunk, Chris, or what? Je vous annonce que ça va être un match pour timer, j'ai pas le choix, je suis vraiment dans un gros désavantage. Speaking German, yeah. Yeah, he's speaking German, yeah. I mean, I'm pretty great in English, I'm speaking French as well, a little Spanish, but I'm not speaking German. John Deere. The Rotomarsh. Je suis max SPDF. Et si t'as un match de timer là, c'est impossible que je gagne autrement qu'un par timer, sérieusement. Excusez pour le spectacle là, mais. Je ferai pas le switch parce que c'est vraiment assez idiot. Gulliver, je ferai pas. J'ai pas le choix de rester en fait. Thunderbolt. Devrait vivre le hit. La paralysie, fuck. Ok. Il est-tu Scarf? La question c'est si il est Scarf. La paralysie va peut-être venir faire chier, honnêtement. Je vais faire un Baneful Bunker juste pour chunker du damage. Ok, je land le Baneful Bunker, c'est correct. Il est-tu? Thunderbolt encore. J'ai pas Swampert, évidemment. Vous comprendrez que Swampert, c'est de la shit. Je vais sacrifier la BAP. J'ai pas le choix.
On sacrifie la bat. J'ai besoin du HP sur Toxapex pour win. Genoa, il y a des. Ok, il y a des rocks, c'est vrai. Thunderbolt. Ah, c'est, je pensais qu'il missait. J'ai une berry, c'est vrai. J'ai pas vraiment le choix de staller des tours de toxique, malheureusement. Rotom Mort, c'était vraiment un gros problème parce qu'il y a mes deux weaknesses. Electric et Grass. C'est vraiment pas. Je vais faire un res d'un coup qui switch, je sais pas là, mais je pense pas qu'il switch. Ça regarde pas bien pour nous, mais tu sais, on affronte un gros adversaire, puis on a un gros désavantage de type là. C'est pas évident. Il change. Oh my goodness. Pourquoi il a changé, man? Pourquoi les gens me donnent une win à soir? What? Pourquoi les gens me donnent une win à soir? Ben, j'ai pas encore la win, mais là, oh, ça me met dans une différente position, là. C'était vraiment weird. C'est un geste de gaucho, là. C'est un gros désavantage, Midian, pour de vrai, parce que j'ai pas beaucoup de counter pour. Tu sais, si je fais des switch, je peux pas pivoter vraiment safely. Il voulait arrêter de toxique, sûrement. C'est pas un mauvais jeu en soi. Le saké frappe comme sur l'eau. Ouais, c'est parce que la fin, d'après moi, Ice Punch. Ice Punch, let's go. Si j'ai Ice Punch, je suis golden. Oh oui! Il y a un move Ice en plus. D'après moi, c'était pas un mauvais plan en soi, mais c'était pas le meilleur. D'après moi, il voulait juste slacker les tours de toxique. Dragon Dance. Oh, il est greedy. Je sais pas comment Flapple fait pour tuer Azumarill. Pour de vrai, je suis sapsipper, puis le dragon fait rien. Sleep Talk. Il lance Sleep Talk. Je fais Ice Punch encore. Oh! Il est bulky, ça. Il est tout thick fat ou bien il est assault? Là, c'est mon dernier tour de. C'est trois tours, hein. Je pense que je vais juste. Ice Punch. C'est sûr que troisième tour ou c'est après trois tours? Je pense que je vais me faire une erreur de gaucho ici, là. Il m'en reste 6. Si j'ai bien compté, là. Si j'ai bien compté, j'étais à 6. Il va être plus rapide. Max Stream, ça me tue pas. Oh! Ça me tue. C'est un crit. Est-ce que le crit a mattered? Ici. Il était bien assaut, en fait, je sais pas. Il a pas accès à Thick Fat. Ok, fait qu'il est hustle sûrement. Il est sûrement hustle. Ouais, ça, il a pas. C'est Appleton en fait. Fait que le crit a sûrement rien changé. Fait qu'on va espérer d'avoir un. Du axe un peu. Mais pas du axe, j'en ai eu quand même pas mal. J'ai pas eu de paralysie sur Toxapex. Max Guard. Je sais pas quoi il a fait de Max Guard, c'est lupé. Je suis paralysé en plus. Je vais pouvoir faire Benful Bunker. Ok. Je sais pas quoi il a fait de Max Guard. Je suis quand même en position de merde. Puis je suis assurément plus rapide que moi. Ouais, statistiquement j'ai fait le bon move, je le sais. Je sais pas si je vivais le hit par exemple. Je vais sûrement mourir ici. Non, j'ai protect, c'est vrai. On va installer le move au moins. Là, la patente. Il y a un Dragon Dance, puis il y a plus 2 de speed. C'est ça la patente, les copains. Mais là, il est hustle. Fait que j'ai. Puis j'ai pas de move prioritaire en ce moment. Oh my god.
Je vais sûrement perdre. Ah, j'ai une Rindo Berry sur Donatello. Y a-tu Rillaboom? Y a Rillaboom dans le bac, j'ai rien tué un. Moi, je suis pas fort. Je suis pas faible. Je suis pas fort, pis. Je suis pas faible non plus. Je pense que je vais toxique. Je joue Sludge Wave. J'ai pas le choix. D'un coup, qui miss. Gravapple. Il est hustle, là. C'est impossible qu'il soit autre chose. Tu vas win. Je winnerai pas, je pense, sérieusement. Je pense pas win. Malheureusement. Gravapple. En plus, j'ai des rocks. Il est à plus 2 de speed, fait qu'il m'a out speed, je vivrai sûrement pas un hit, à moins qu'il misse un attaque. Faut qu'il misse un hustle. Je passerai pas win parce qu'il a Rillaboom, puis il misse pas en plus. C'est quoi son habileté, esti? Il y a hustle, gluttony ou ripen. Je sais pas pourquoi il a pas mis hustle là. J'ai pas de move prioritaire. J'ai vraiment pas le choix d'essayer ça. J'ai tellement sacrifié. J'ai tellement sacrifié Pelipper pour absolument rien. J'ai pas fait de call pour ce match-là. Il est physique. Puis là, moi, j'étais un tank spécial attaque. Fait que c'est vraiment de la merde. Faut que je survive ça. Il miss pas. Il est pas à saut. Il est juste à plus 1 puis il tape en tabarnak, le style. Ah ça, il est pas hustle sûrement. Hustle Wide Lens, je sais pas. Là, il est plus rapide, là. Ça va connecter beaucoup de damage, puis Rillaboom va me tuer ensuite. J'ai pas sûr de faire ça, c'est sûrement une win. Moi, il y avait une Berry Ice. C'est pas mal GG, ouais, effectivement. Il a bien joué. L'affaire, c'est qu'il a pas amené ce que je pensais. Genre, mon lead, ça, comme je misais beaucoup sur le fait qu'il crée du lead. Mais je pense que je me suis bien défendu quand même, là. Il m'a manqué de priorité un peu. Je pensais qu'il missait, mais j'ai une Mirindo Berry. Son Dragon Dust m'a fait mal. Hey, ça connecte, là. Puis, tu sais, il a Rillaboom. Puis ma défense, ça baisse en plus, fait que... Il va amener Rillaboom et c'est terminado. Écoute, c'est correct. C'est pas un match que je m'attendais de gagner. Je pense que ça aurait juste été une grosse surprise si j'avais win. C'est correct. Je pense que je me suis bien défendu pareil. Je me suis bien défendu quand même. Pour une raison obscure, il va avec Whimsicott. Il veut faire durer le match plus longtemps, sûrement, je sais pas. Je sais pas qu'il sort pas Rillaboom, là, mais... Stun Spore, ça miss. Ok. Il y a pas Grassy Glide sur Rillaboom, ou ben? Il y a Rillaboom dans le bac et je gagnerai pas là. Konga, c'est Rillaboom. Merci de mettre fin à. Merci de mettre fin à ma souffrance. Je vis pas un Grassy Glide. Je vis pas un Grassy Glide. Il y aura un bien joué, by the way. J'espère qu'il sera pas en série. Ce serait rough de l'affronter en série, là. Ok, good. Excellent match, Yin Yang. J'ai fait mon possible, évidemment. Avec le désavantage de type, c'était ma foi très difficile pour moi. Mais bref, bon match. Si vous avez aimé le contenu du Clash of Type, je vous invite à subscribe à mon channel. On laisse des j'aime. Ça me fait tout le temps plaisir. Ça coûte rien. C'est totalement gratuit. Et ça encourage la chaîne et son développement.
Donc, on est de retour la semaine prochaine pour un autre semaine du Clash of Tide. On a quand même encore des gros titres qui s'en viennent. Je pense notamment à Ice. Ça va être difficile de win contre Ice également. Donc, voilà. Merci à vous tous et bonne fin de soirée. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, guys. Bonjour. Ouais, Yin-Yang, je te dirais que je l'ai dit dans mon team preview, mais le premier qui allait sacrifier un Pokémon trop important, là, exemple, moi j'allais gagner. Exemple, si tu perdais Ferrothorn, je gagnais, je pense. Parce que Ferrothorn était... Mais t'as bien identifié ta win condition, c'était parfait, t'as super bien joué, mon chum, en passant, by the way. Je vais prendre mon shot. L'affaire, c'est que Ferrothorn était vraiment difficile à tuer. Le seul move hyper effectif que j'avais, c'était Low Kick et Flamethrower. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de tuer Ferrothorn. Et quand je m'étais finalement, c'était avec Sumeril, tu m'as envoyé Ferrothorn. Et sûrement que Ice Punch, le damage de Ice Punch allait sûrement être égal au recall de Iron Barbs de Ferrothorn. Fait que je me suis dit, c'est pas worth it. Fait que j'ai switché.